Ça me tape. Oh, ça va, ça va. Je sais que tu es fan de moi. Mais t'inquiète. Tu sais quoi? Tu vas me chercher de quoi manger. Ok? Tu m'achètes de croissants, de pain et si canette. C'est bon, non? Tiens, tu gardes la monnaie. Tu sais que je t'aime bien, non? Oh, Chantal! Oh, micro! Dieu! Yes. Tu ne salues pas? Bonjour. Ça va? Ça va très bien. J'ai entendu que toi aussi tu es tenu pour la finale de l'élection du MG. Bien sûr. Tu vois notre boss là-bas? C'est lui qui va devenir MG. Donc tu fais tout pour faire disparaître ton nom de la liste et le suivant. Tu comprends, non? Mais si tu oses me défier, tu verras. Ok, disparaît. Il peut savoir pourquoi est-ce qu'elle est assise. Elle est malade. Elle est malade, sois à l'hôpital. Lève-toi. Je suis malade. Il est trop tard. Pensez-vous. Comme vous le savez, dans tout établissement, nous avons besoin d'un élève qui va représenter tous les élèves auprès de l'administration. Ainsi, après vos propositions, nous avons retenu deux élèves que voici, qui sont là ici pour vous donner leur plan d'action et vous séduire pour qu'à la fin nous puissions choisir une seule personne qui va représenter les élèves auprès de l'administration. Sans trop monopoliser la parole, je laisse la parole à l'élève Nautema qui va vous parler de son plan d'action. Je suis votre MG. Comment le dit souvent l'essentiel avant la grève?
toi aussi. J'ai failli oublier ce pourquoi j'étais là. Penses-tu que ce microbe l'avait remporté là? Il y a quelle microbe pas dit? Mais ton frère? Non, c'est mon frère qui vient encore pour vous, quoi. Excuse-moi. Et la question là, c'était pourquoi? Ce matin, quand elle était passée dans la classe, il fallait voir l'ambiance qui régnait dans la classe. On dirait que tout le monde l'attendait, mais ton frère était passé inaperçu. Donc si je comprends bien, tous les élèves de la seconde sont après ces têtes. Et en plus de la première aussi. Bon, sinon il est beau, il a de l'argent. Il est aussi intelligent comme ton frère. Alors j'étais un coup d'œil. Hé, hey, les gars, je suis ravi de votre présence. Je suis là encore une fois pour vous réaffirmer ma volonté d'être votre mangeur général. Je sais que vous êtes la tête du groupe. Et si vous votez pour moi, je vais gagner. D'ailleurs, ça serait une délivrance pour vous. Surtout vous qui tirez dans les couloirs en été, sans rien pouvoir manger. 1 000 francs, ça ira, non? Donc toi, tu nous appelles ici. On a autre chose à faire. Tu perds notre temps pour venir nous traiter d'affamés. Si c'est pour débiter des inepties comme ça, je préfère me retirer parce que je ne veux pas m'énerver. C'est quoi ça? Des conneries pareilles. Toi, laisse-moi passer. Et mon ami, du boss, tu ne lui as pas donné l'argent, non boss? Comme ça, tu sais là. Moi, je gère. Quoi? Tu prends un cahier et tu notes ce dont ils ont besoin. Je suis. Dans toute compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. Ainsi, lors de vos élections, vous avez eu à choisir l'élève que vous voulez qu'il vous représente près de l'administration. C'est ainsi que le nouveau MG de l'établissement est l'élève. L'élève. James Didier. On verra son cas avec le proviseur. Bonne journée à vous. Merci, monsieur. Je crois qu'on a donné une bonne correction à ce microbe et à son surveillant.
Ouais. Avant, je me lamentais. Mes parents avaient trop de soucis. Parce que trop d'échecs dans ma vie. Je savais pas à quelle école choisir. On m'a parlé d'une école. Et lorsque je me suis plongé dans cette rivière, ma vie a changé. C'est. Jour dans, plein de bonheur, plein de succès. De projet. Le premier leader suit la voie de l'empire. Tout est voué à l'échec aux autres concurrents. Sur toi j'ai eu cette inspiration. Sur toi j'ai eu cette dévotion. Tombé jamais sous l'effet de ton image. Comment pourrais-je te rendre hommage? Tu m'enseignais à me respecter. Tu m'enseignais à évoluer. Tu m'enseignais à me qualifier. Magalu tinyo, yekame magalu tinyo, bleniko ava.
famé. Tomane magaru tunye o. Vimati magaru tunye o. Vipote magaru tunye o. Periko afame. Tu sais comment tu tombes dans la vanille là. Mais y'a coco dans la vanille.